T'es fou. Ah. Wesh. Dans le top. Voilà qui s'est trouvé. Attention. Oh 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 oh. Interview Alun première. Check, voilà, ça c'est l'amitié, ça c'est Smash. Ça fait plaisir de te voir là, mec, c'est trop cool que t'organises ça. Je te le dis, c'est trop bien. C'est mon premier tournoi Tio. Hein. C'est vrai? Ouais. T'as l'impression? Non. Non? Ça, non, ça va. Ouais, franchement, tout à l'heure, le stream il marchait pas, j'étais là, oh, vas-y, sa mère, ça commence. Et on vient de close le premier PR et je pense que c'était le moment, tu vois, de récompenser les joueurs qui se sont battus un peu, tu vois. Donc on a fait les 10 premiers qui sont invités ce soir. On a fait un petit bracket double élimination BO5. On n'a pas encore commencé, on enchaîne avec une crew. Mm-hmm. Pas tout, t'es dans la team Zoulette, Toby t'es chez les Bactou. Yes. T'es pas au courant des noms mais c'est bien. Pas tout, comment tu sens la crew, tu penses on les baise ou pas? Ouais. C'est carré. Même si c'est contre Seiju, Body peut être viable contre le réseau communautaire. Carla, Kéba ! La grenade ! Non ! Ah ! Mais Carla, t'es muscle ! Spike ! Mais spike-le ! Ah ! Allez, Dex ! Dex, mon nul ! On va te choisir ! On voit pas trop, c'est dommage. Alors là, c'est bizarre qu'il ait choisi de grappe parce que... Mais c'est vraiment une escroquerie, en fait. Il est inarrêtable. Ouais, voilà, enfin. Waouh! Zoulette, Zoulette, Zoulette! Dégage, la vie de ma mère! Patou qui arrive pas à faire sa conversion. Voilà, le bond de Smash, c'est dommage, c'est la tête tout seul. Et Patou. Oh non! Voilà. Jin, il garde hyper bien le neutral. Il est toujours au milieu du stage. Oh là là! Oh là là! 1% d'avance, c'est que le reste il peut tomber hyper vite. Le reste il peut tomber très fort, attention. Oh la séquence. Oh là là, mauvaise séquence. La part de Gabi et qui va. Oh! Voilà! Voilà! Ok! Team Bactou! J'avais pas applaudi! Ok, moi ça fait un câlin. Mais là, il vous l'a voulu étrangler, faut le savoir. Le vent de la part de. Il y a deux en fait. Les Zoulettes ont gagné là. Ouais. Team Zoulette. Team Zoulette. 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 Moi, c'est Pedro, le Théo de Limoges. Voilà, depuis maintenant 2 ans. Et puis, nouveau Main Wolf. Ah ouais. Ah ouais, Pedro se lance dans la compète. Exactement, on a acheté la Switch, on a acheté le jeu, on a acheté la manette, c'est parti. Je suis parti d'Omery, je suis le directeur d'Omerix. Yes. Donc moi mon but c'est de développer la scène Smash à Limoges. Yes. À côté j'ai une équipe FIFA aussi. J'essaie de faire évoluer les joueurs, et j'essaie même de faire évoluer la communauté en général. Ouais, donc Martin, mon pseudo c'est GSM. GSM. Je suis commentateur, des fois je joue, je suis nul. T'es nul. Voilà. Caractère raciste comme on dit. Voilà, je suis là. Hein.
tu es là pour commenter ce soir, je me suis fait close par le PR. Tim, Lucky, ouais. Présente-toi. Ouais. Jackie Chan 3000. Bah écoute, je suis un joueur de Smash depuis Smash 4, lors de Limoges du coup. Et ben voilà, maintenant joueur de Smash Ultimate, Pokémon Trainer. Ultra dominant sur Smash 4, Caractère Crisis un peu sur Ultimate, début d'Ultimate. Puis là, voilà. Tu reviens en force quand même. Hein, on essaye toujours. T'arrives mi-saison et tu décroches une troisième place, deuxième place du PR. Mm. Tes objectifs ce soir? Premier. Ouais. Salut Coco. Salut. Comment ça va? Ça va. Écoute, on arrive. Donc, on arrive à la fin de la saison. On est sur le post-saison. Tu finis premier. Ça va ou c'était facile? Ouais, c'était moyen? Bah, tout le monde me fait peur sauf le deuxième, c'est quand même dommage. Ok, on est parti du coup sur le ASS 2 AS 2 Alun Smash Summit. On a start le single, on est sur 4 setups, 10 joueurs. Croyez-moi, là ça joue avec le sang, hein, clairement. On a vraiment beaucoup de matchs intéressants dès le round 1. Là, vous pouvez voir un Zarktobi, derrière on a Alun Muffins, ici on a du Lucky Karma avec un Seju qui regarde, dans le stream on a du Aliandre Toby avec un duo commentary au commentary avec Big V JSM, et franchement je trouve que ça va être exceptionnel. J'ai vraiment hâte de voir ce qui va se passer, je pense qu'il va y avoir des dingueries ce soir et franchement ça va être le feu. Ouais, il a pris l'ascendant sur un crew battle, maintenant ça veut rien dire vu que là on est parti sur le vrai tournoi. Donc on va voir ce que ça donne, le match est lancé, c'est le début de la SSS2 au New Jabez. Et on est parti. Ici on a un 2-2, 2-2 qui est en cours, et ici on a un 2-2 aussi. Donc vraiment les winner round 1 qui sont extrêmement disputés. Ouais, premier stock là pour Toby. Vous avez fait un début, vous entraînez. Oh là là. 7 stocks d'avance, hein. Et 7 stocks d'avance, presque les mêmes pourcents. Et double bagarre, et là, voilà, il est dans la sauce, Patou. Hein. Comment tu reviens là maintenant? T'as plus la moto. Enfin, c'est la galère, hein. Voilà, t'es mort. T'es mort. C'est parti sur Battlefield. Mais je pense que c'est un meilleur choix, honnêtement, que Patou partir sur Battlefield. C'est pas un très bon stage. Voilà pourquoi. Voilà exactement pourquoi c'est un meilleur stage. Il a fait le combo parfait, 74% en plus à Paris. Là, il. Oh ouais, putain. Vidéo, ça finissait sur Yeats, machin. Faire attention à pas finir sur 8, hein. Ce soir là c'est une véritable possibilité. Étant donné que le stream est pour une fois à peu près propre, on sait pas, à tout moment ça finit sur 8 Smash. Oh voilà. Oh, et on voit que ça reste quand même ça reste assez fort avec Samus, hein. Ça lui laisse aucun répit là. Oh là là, on est encore dedans. On a le saut ou pas? On a plus le saut, d'accord. On aurait pu revenir en plus, c'est dommage là. J'étais en train de m'émerveiller devant un truc que je connais pas là, et c'est impressionnant ce que tu penses. Allez, voilà, le 0 to death. Okay. Et ben voilà, on vient, on arrive, hein, parce que j'ai des trucs, on vient d'arriver, il y a un 0 to death. Bah, Toby, c'est maintenant qu'il faut reprendre la confiance parce que ça fait mal. Un 0 to death sur premier stock, premier match du set. Oh, dommage! Bon, 0 to death. Oui, oui, il n'y a eu aucun sweet spot qui a permis. Oh, il est tout. Oh, tu mérites. Ah, cher. Oui, mais que. Mais. Ouais, non, là, c'est en mode. C'est. Voilà. Mais voilà, c'est ce qu'on a fait. Là, c'est un sacré. Moins 1-1. Ça pourrait l'aider pour la suite. Voilà. Ouais, tâche attaque des. Ouais, il a pris un peu pour la tête, en fait, l'option de chez vous. Et on a toujours pas de tech là, par contre, il nous monte, hein. Ça commence à être chiant. C'est honteux. Mais là, on a de nouveau sur le ledge et. Oh là là! Ce petit gros sub bagarre, ça fait un by the way. Et voilà, encore une fois un bagarre, et cette fois-ci ça marchera. Voilà. Le stock d'avance, hein, le match qui est très court, hein, quand même, si ça se finit maintenant. Dommage, il avait une petite conversion là avec la triple Jin, mais il en a pas profité, bizarrement. Et voilà. Oh là là! Oh là là! Première game a eu quand même une belle incidence sur lui. Oui, c'est vrai que ce jab, on se rappelle au début d'Ultimate. Oh là là! Encore, ça tue encore avec ce move, et voilà, c'est fini. Oh, ce move, il est utilisé de la plus belle des manières par Jin. Il fallait un 9ème. Il fallait 2 9ème, t'es l'un d'entre eux. Le 2ème va être décidé sur ce match.
Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai vu que t'as accroché vraiment, hein, c'est très serré sur Toby. Avec Toby, c'était serré à chaque fois. Ouais, 3-2, mais, hein. Ouais, 3-2. 3-2. Mais Alun. Alun, la première game serrée, les autres. T'étais plus dedans. Ouais. T'étais plus dedans. Bon, écoute, ma poule, t'es quand même. T'étais quand même Al. Ouais. Eh, c'est pas grave. Donc, franchement, check. Check, voilà, ça c'est l'amitié, ça c'est Smash. Et puis Jassim, comment ça s'est passé ton round 1? Bah en vrai, c'est karma, je suis un peu sa bête noire. Ouais. Du coup, je l'ai 3 airs. Franchement, il n'y avait pas trop de difficultés, juste un peu à la fin où il commençait à vraiment comprendre comment jouer. Et ça, il commençait, tu vois, il ne restait qu'une stock, mais c'était trop tard. C'était trop tard. Karma, tu penses, c'est quoi les erreurs sur ce set? Et un manque de connaissances genre par rapport au match-up, par rapport au recovery et tout. Genre quand il avait l'air bizarre, j'essaie de revenir vers le bas et il pétait le parachute et ouais c'était mort. Ça. Il y a plein de petits trucs tu vois, mais je commence à capter un peu et on m'a fait les match-up. Hein. Ouais. Tu nous commences une loser run comme d'hab. Ouais. Allez. Pas sur les chaises. Si, sur les chaises. Toi t'avais dit pas sur les chaises. Pas tout, Toby, première. Iconique le duo. Bon les gars, vous êtes Al, hein. Ouais. Deuxième duo qu'on se permet d'interviewer. Ça va ou quoi? Ouais, ça va pour l'instant. C'est pour le l'instant. Début. C'est le début. Yes, j'ai une anecdote de fou. Vas-y. Alors en fait, c'était sur la fin de Smash 4, donc au Limousin Smash 2. Moi, ouais. En tout cas de mon côté, j'ai toujours été passionné de Smash. Yes. Pas pour toi. Mais en Creuse, là d'où on vient, c'est la merde. Il y a rien. Personne joue. Il y a pas de scène. Et l'internet pue, donc on peut pas jouer en ligne. Donc voilà quoi, du coup, j'ai toujours passé à côté de Smash. Et là, j'arrive à Limoges, il y a le Limousin Smash la semaine où j'emménage quoi. Donc, mais c'est non, vraiment, c'est vrai? C'est vraiment. De ouf. C'était trop bien. Et du coup, voilà, je lui ai dit pas tout et tout, t'es chaud, tu viens, etc. Il dit non. Du coup, moi j'ai dit ouais, non, je m'en fous de Smash quoi. Je m'en carre. Giga branle quoi. Ouais, c'est ça en gros. Ouais, ok. Mais encore là, c'est Dead Even en gros. C'est bon. Ah voilà, là, là, là. Et c'est bon, c'est fini. Oh le what dans le crash, c'est beau. Oh, on adore voir ça. Oh ben voilà. Et bordel. C'est bon, c'est enfin fait. Joué, et bien joué les gars. Putain, beau set. Alors la légende raconte que t'as l'exé la plus à chier du monde. Exactement. Mais il y a quelque chose que j'aimerais dire. C'est qu'on t'a vu faire des jabs rares back-air, dernièrement. Alors est-ce que tu nous as fait la salle de l'esprit du temps et Non mais en fait ça fait 6 mois que je sais le faire. Hein. Oh là, oh back-air, non, oh putain, jab back-air, il est où? Je sais que j'arrive pas à faire un match. Hein. Bon ça se passe, hein. Bon de toute façon, il faut commencer quelque part. T'as un objectif ce soir? Ouais, te battre. Te battre, ok. Et te battre avec qui? Ouais, ouais, avec moi. On voit que les hostilités commencent. Voilà. La puff qui bourre les coups de pied dans les airs. Comment ça, tu te bats? Ok. Oui, voilà. Voilà. Donc, est-ce. Ouais. Exactement. Il a mis seulement 30%. On a une bonne stop d'avance. Ok, là, petite phase. 70% va l'emmener. Bon. Et le petit laser, ça permet de frustrer en effet ces loups. En plus, il y a le backer qui va presque tuer sur le sous. Oh là 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 là. Et en plus, ça tonne sa pack. On joue canon, hein. Là, on joue à Super Mario. Voilà, et en plus, ça tonne. Là, ça dit, j'espère que t'es pas trop un singe parce que moi je connais. Hein. Oh bon, il a dit. Hein. Ouais. Ouais, il a pas trop l'air de le connaître pour l'instant, mais. Oh là là les est-ce que là putain Jin qui a un désavantage ultra on point. Ouais, et voilà il s'arrête 5 kills. Un Jin qui a un désavantage ultra on point contre les combos de Mario. Ouais, le nerf. Le putain, tu connais les. Oh là. Oh. Oh putain, la troisième corde. Le pied en bas qui brise les chevilles, into la griffe démoniaque, into l'épée du démon. L'épée du démon, la griffe du dragon, peut rien faire, le nerf du dragon, into l'étranglement. Oh là là, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Pied-bouche, pied-bouche. Le couscous du midi.
C'est un coup, je viens de l'inventer celui-là. Allez, le double coup de pied aérien. Oh là là. La roulade de démoniaque. T'as un truc à dire. Oh, l'épée du démon encore. Sur pas en DF, hein. Pas en DF, parce qu'on a hâte de voir les deux sorcières qui arrivent et qui mettent le terrain en glace. Et ça prend Roy. Roy contre Wolf. Et ça finit là-dessus. Mais vraiment, des singes jusqu'au bout. Ah, y'a rien à garder. Hein. Mais non, mais. Voilà. Ah, mais non, c'est jour, réveille-toi, non? Moi, je sens l'intervention d'un personnage mystère, tu vois. Tous les jours, moi. Non, mais attends. Tous les jours, pas tout peut rager sur sa défaite. Crier, se lever, tomber. Et il faut refaire la game. On va trouver la chaise derrière un an. Ah oui, exactement. Oh là là. Oh là, smash. Même. Allez, gros blanc. C'était très stylé ce que tu viens de faire, Jean. Je retire toutes les singeries que tu viens de faire. Là, c'était on point. C'est le zoo de Boval, ouais. C'est pas le parc du Rhinou. Là où c'est joue, c'est clairement le parc du Rhinou. Hein. Ah, clairement, il est claqué. Mais on l'aime. Hein. J'ai mes meilleurs souvenirs d'enfance au parc du Rhinou. Oh non. Oh bah super. Oh, oh là là, ça le regarde dans les yeux avec un petit sourire en mode ah, vas-y, je récupère ton argent. Et en plus, j'ai acheté mon Smash Note, mais ça te sert à rien, bouffon. C'était ça. Dans cet instant, ce regard, dans les fractions de secondes, il y avait tout ça. Tout ça. Je t'ai eu, bouffon, sur un ride. Et en plus, t'achètes un Smash Note que tu vas jamais utiliser. Et. Ouais, c'est plus les fractions qui est 5ème. Là, il fait à peu près le poids de. Enfin, il. Ouais, voilà, bah voilà. Bon, et on va chercher. Et là, on rattrape directement de la part de la cible. Plus qu'un stock à faire tomber. Et là, faut pas tomber dans le coin. Puis il a commencé à stagner. Il a eu quelques mauvaises news. Mais là, mine de rien. Il revient du burst, il est minimum 4ème sur tournoi, et il est en train de comeback looker. Mauvais côté. Ouh, là c'est tendu, les gros hitbox. Oh, c'est fini. Oh, les gros hitbox de Herbizarre. Hélas, on va clôturer ce BO3 et c'est Lucky qui s'impose dans cette loser semi qui va directement rejoindre Seiju, son Nemesis. Allez, c'est parti. Et là, on commence à arriver sur des bobos. Il a toujours pas touché, il a pas fait un petit avec ça. Après, c'est très compliqué. Hein. Bon, j'ai pu comprendre que c'était compliqué. Ouais, ça va, il a un petit peu la tête. D'après le joueur lui-même, hein. Vraiment. Ok, pas mal, ça rentre les pourcents. Il a pas mal, on va peut-être choper une petite girly. Allez, wow, oui. Et là, on va tenter de. Kassim fait pas mal sur les. Ok, et là, okay. On varie là-dessus. C'est bien. Smash, ça, c'est vraiment. Vas-y, mon champion. J'ai jamais vu un Fox autant Smash et ça marche. Je vais peut-être dupliquer l'astuce. Très bon, très vif. Ouh, Baker, on aurait pu dash attack et faire un sur les fast follow pair, il est très vif avec le Fox, on peut pas lui enlever. Il les met pratiquement tous et c'est un très bon. Ok, pas mal. Petit combo, petite phase là, on a beaucoup de choses. Hein. Peut-être que le Pink Fox va payer en fait. Mais ouais, mais ça surprend, on dirait. Parce pas. Parce que Seiju va perdre contre le Fox de 3 jours de contre le Crazy Fox. Ah, les deux persos. Non. Non, il a fourré. C'est là, c'est du. C'est là, c'est du. C'est le jeu recul, je vais un smash, ça passe tout le temps. Tout le temps. Pour tout le monde. Alors, qu'est-ce que vous pensez de la finale là? Jean le fume. Jean le fume. Qu'est-ce que tu penses de la finale? J'assume le Fury. Quel enfer, rigole pas toi. Très bien, en fait. Jean le fume? Ouais. C'est pas avec des. Enfin, c'est pas vraiment Limoges. Oh là là! Et la troisième! Mais moi je commande pas ça! Franchement, on vous a vendu Jean, bah on a mis tout! On a vendu Jean! Voilà, attention! Alors, les quartz, ça tue! Oh, et ça tue, c'est le sweet spot! Hop, Sage! 2-0, c'est Jukes qui va peut-être reset! J'ai peur de ces F-Smash dans le neutral, parce qu'en plus c'est à nous d'avoir honte quand on les prend! Non, je vais aller chercher, moi tu vas voir! Et what the counter pick Donkey Kong? Counter pick Donkey Kong du côté de. C'est un TK! C'est un TK! Et en vrai, et c'était sympa là, le fait de counterpick sur Battlefield, en vrai. Ah, alors là, vraiment, tous les main DK qui sont taillent les veines en regardant l'event. Oh, et ça varie! Les F-Smash qui sont enfin punis, yes! Et là, et en fait, non mais depuis tout à l'heure. Oui! Wouh! Ça gimp! Et on disait depuis tout à l'heure que c'était des singes, et bah là, Jean il nous a pris au mot. Et là, pour le coup. Merci, au revoir.
peut-être qu'ils s'attendaient à ce que c'est Joe lui fonce dedans, mais c'était un peu préventif. Oh, c'est sûr que c'était un petit peu... Personne s'y attendait, c'est mégalant comme option. Pourquoi il ferait ça? Et alors là... Oh, et c'est... on a tenté de Gimp à le B, c'est bien joué de la part de Jin, mais c'est lui qui se laisse pas avoir. Oh, oh là là, les claques. Il y a 3 persos, tu vas me dire que c'est compliqué, c'est ça qu'il faut sortir. Oh là, la dash attack c'est piffé, on a peur du coup de ça. Oh, stool. Oh là. Wow. Je m'attendais au spike et c'était encore plus marrant. Mais oh, aïe aïe. Ça se voit par contre les combos. Ouais, si t'as les combos en plus. Bah, du coup, c'est vraiment un de ces persos. Ouais, il a... ça va 2 minutes là. Oh oui. Oh putain, je m'attendais. Oh alors là, on va le chercher. Wouh. Ok, non. Quoi? Hein? Up B? Up... Bah, alors là, quand même. Bah, en plus, c'était de l'autre côté de la map, donc ça va 2 minutes, Jin là. Wouh. Et ça, le down B. Oh, ok. Et ça s'échange, allez, les F-Smash là, les... les deux singes. Ah, putain, sans bon sens, ça tue. Ça tue pas, ça tue. Ah, bon, 2-2, ça paye ce counter-pick. Est-ce que Seju... Seju qui arrive pas à s'adapter. Il est resté de stock là. Tu es à jouer contre Muffins. Vas-y, il a des fondamentaux très solides, Jin. Oh là là, plante piranha. Alors ça, personne ne voulait voir ça. Mais tout le monde veut voir ça. Tout le monde veut voir la PP. Le reset à la plante. Fais très bien Snake. Et oh ça tech. Oh ça tech pas mais ça. Oh, oh là là. Zzzz. Mais ça c'est un matchup qu'on voit qu'une fois dans sa vie aussi, c'est sûr. Oh le shield. Oh oh. Ok, oh F-Smash. Même avec la plante, il fait des F-Smash. C'est Jin qui joue Dike, mais c'est quand même Seju le singe, et ça c'est beau. Ah ça c'est pur, quoi. Ok, 45%, 60% sur une fave. Ça, oh, et ça le met pas suffisamment pour son position de tech, et là Jin vraiment qui hésite pas. 100, 201%, il faut tuer là maintenant. Et... ouais, ça a bien mix up en vrai. Mmh, oh, ça va le chercher au bout du monde. Et là c'est tendu là. Oh, ça va up to. Même le back to en vrai, tu es tout à l'heure. Hein. Oh, back air, c'est bien timé. Faut faire gaffe au gros yap de Dike là. 81% en vrai sur un up smash, on pourrait presque oublier. Et le up smash qui sort très vite. Le up smash de la plante qui dure pendant presque une seconde. Oh, et ça tue. Et Jin qui s'impose. Et qui gagne 3-2, encore une fois c'est Joe qui prend pas. Ce DK qui sortit de nulle part. Mais vraiment, c'est encore des gros persos de Jin qui ont cette capacité à counter pick parce qu'il joue beaucoup dans perso. Et franchement, ça a tout à son honneur parce que là il a encore la reverse le set avec son DK. J'avoue qu'il a reverse 3-0 avec son DK. C'est Joe qui était absolument pas prêt à voir ce gros singe arriver. Bon, et toi, t'as des anecdotes sur des joueurs de Limoges? Ou d'ailleurs, même, je sais pas. Hein. C'est... Bon, pas une anecdote, mais. Enfin, tu sais, on les connaît, on grandit ensemble. Moi, j'ai vu des choses incroyables se passer via Smash, etc. J'ai vu Muffin perdre 40 kilos. Ouais, c'est vrai. J'ai vu Alun prendre 40 kilos. 40 kilos et 40 ans, surtout. 40 ans surtout. Ah, mais l'autre. Et genre. Non, moi, ça sera pas coupé au montage, ça, c'est sûr. Ça sera l'intro. Ok, bah écoute, en tout cas, merci de cette organisation. Et puis bah, j'espère que ça va bien se passer ce soir. Hein. Ouais. On se retrouve avec le duo le plus iconique. Aïe aïe. Oh là là. Aïe. C'est ouf. Ça fait plaisir de vous voir, les gars. T'inquiète, l'amour. Et toi? Ça fait longtemps. Bah ouais, de ouf. C'est vrai. Là, c'est. Bah, allez-y, présentez-vous un peu. Hein. C'est ton bar. Salut,
moi c'est François. Yes. Je gère le New Jabez et du coup j'accueille la commis Smash. 25 rue des Arènes. Voilà, à Limoges. Hein. Venez, c'est cool en vrai. Yes. Et moi c'est Vincent, je joue à Smash genre quand je peux quoi. Je suis pas hyper bon, je suis pas dans le top de Limoges, mais de ce soir. Ouais, je suis compétitif hein, quand même. Ouais, mais tranquille. Ce soir, je fais pas, ce fameux événement. Les playoffs. Non, ouais. Juste commente. Je commente quand je peux. Commentateur officiel. Le commentateur du Limousin Smash. Ouais, c'est ça. Interview Hicham, deuxième. Bon, Hicham, on se retrouve. Yes. On est quelques jours après la Loon Smash Summit. On refait ton interview parce que bon la première c'était pas ouf hein. C'était pas ouf non. Du coup comme on est en post-tournoi, qu'est-ce que t'en as pensé un peu de ce Walloon Smash Summit Très cool, ouais. Une bonne entrée en matière avec une crew battle, on a vraiment rigolé. Il y a eu des moments incroyables. Ouais. Petite pensée à Big V, il verra de quoi je parle. Ouais, ah oui. Sinon le tournoi, bon j'ai fait une mauvaise perf. Ouais, 9ème du coup, mais c'était vraiment bien. Un peu déçu de pas pouvoir être resté jusqu'au bout. Je pensais pas que ça finirait si tard. Mm-hmm. Mais c'était en bonne ambiance. Franchement, il s'est passé des trucs cool. Ouais. Puis voilà, très bonne organisation. C'était bien sympa. Yes. On a bien rigolé. Yes. C'est l'essentiel. Tu reviendras pour la saison 2 ? Bien sûr. Bon. Ça, quoi. Vous en pensez quoi de la commu Ultimate qui s'est un peu renouvelée hein, comparé à Smash 4 ? Énormément renouvelée. On était quoi ? On était une dizaine à la fin de Smash 4. On est 40 par tournoi. Yes. Moi j'adore. Mon bar il est plein de gens de Smash. C'était pas un jeu que j'aimais au départ, ouais. Parce que j'avais pas d'intérêt dessus, je connaissais pas. Toi t'es en fait, FPS c'est plutôt. C'est les gens qui m'ont fait aimer le jeu. Mmh. Genre c'est vous qui m'avez fait kiffer le jeu. T'as souvent joué Marth sur les opus précédents, t'es passé à Falco. Ouais, je suis passé à Falco parce que je trouve que le style de Falco m'allait mieux. Et ouais. Puis quand on est passé sur Ultimate en fait, bah, j'arrivais plus du tout à jouer Marth. T'arrivais plus à t'exprimer. Ouais voilà, et donc du coup j'ai repris on va dire les trucs à zéro et Ok. Et Falco ça me va bien. Même si c'est pas un top tier en fait, j'aime beaucoup le style du perso et yes. Perso du cœur quoi, j'ai envie de continuer avec. C'est quoi ton meilleur souvenir Smash à Limoges? En vrai, je pense, la Pro Battle du Nouvel An contre Bordeaux. Ah, c'était ouf. Ça, c'était incroyable. C'était génial. Les chemises qu'on voyait et tout. C'était génial. Après la petite raclette, on avait la table VIP et tout. C'était... Ouais, c'est vrai, c'était un très très beau moment. En vrai, peut-être quand j'ai gagné mon premier tournoi, c'était assez cool. Toby a gagné un Moonsly. C'est vrai, hein. Franchement, non, mais c'est vrai. Ouais. On l'oublie assez vite, hein, mais. C'était avril. Avril. Ouais. Du coup, ouais, c'était surtout une bonne run, un bon bracket, faut pas se mentir, mais je suis quand même content d'avoir. Mon objectif ce soir, j'étais parti, je voulais battre Jassim, enfin Lucy. Yes. C'était vraiment mon goal et je l'ai fait deux fois dans la même soirée et j'étais quand même content, quoi. Yes. Franchement, c'était même l'adrénaline, etc. On arrive, enfin, j'arrive en grande finale pour la première fois, savoir doser le stress, même si, enfin, voilà, quoi. Mais. On sait que t'es le mec qui monte dans les nouveaux. Ouais. Je pense que t'es même assez établi, t'es un peu abonné aux 3-4ème places, mais tu penses que là, ça y est, le changement de perso, ça a été le déclic ou quoi? Ouais, je pense que là, en vrai, je suis en pleine transition, tu vois. Genre, j'étais avec Mac, je faisais des petits résultats, mais pas comment dire. Genre, au bout d'un moment, ça monte sa limite, tu vois. Ouais. Perso, il est quand même claqué un peu. Ouais, de ouf. Cette entre. En vrai, j'en ai plein. J'en ai trop. Tous les tournois, c'était trop bien. Avec l'ancienne équipe, l'ancienne team, avec toi, avec Tony, avec Nien, avec Hugo, avec Geoffrey. Mais Limousine. Limousine, bien sûr. Le Limousine quand on était sur la terrasse. Ouais, le premier, c'est ce que j'ai dit. Ouais, le premier où sur la terrasse, là on voit pas. Mais oui, c'est très bien. C'est ouais, moi je connaissais pas de ouf la scène Smash, encore vraiment compétitive. Je connaissais un peu de ici et tout. Mais là, voir tous les gens et tout. Puis les gens étaient cool, enfin franchement. C'était vraiment un succès ce tournoi. Ça progresse vite, donc on va bien voir quoi. Ça va être cool. C'est vrai qu'on regarde le niveau de la commu il y a 3 mois et aujourd'hui, c'est plus du tout le même. Il y a eu un ascenseur de ouf. Bah c'est de bouger et tout, les gens ont vachement progressé et puis bah ça tryhard quoi. Comment tu sens qu'on est
la commu Limoujaude vis-à-vis de, d'autres villes, d'autres... Je dirais qu'on est dans le middle, on est dans le milieu du panier avec pas mal d'autres communes, je dirais. Nous, ce qui nous démarque, c'est le fun. C'est le côté fun, le côté décalé, le côté marrant, tu vois. Mm-hmm. Petite anecdote croustillante de la commu, d'un joueur. Bon, anecdote, c'est chaud, il se passe tellement de trucs. Ouais, c'est clair. Déjà, la fois où il était en gardave, lui, là. Ouais, c'est vrai. Non, je sais pas. Un jour, je voulais montrer des grenades à mes potes, ils ont flippé, j'ai pas compris. Enfin, ouais, c'était chaud. Il y a des petits trucs comme ça, quoi. Yes. Déjà, on a commencé par Karma. Ouais. Après, il y avait Diego qui joue plus trop, et après, on a rencontré tous les autres, etc. Ça, c'était cool, ouais. C'est l'arrivée dans la commu, quoi. L'arrivée, les copains, quoi. Hein. C'est vrai que c'est quand même une commu très, très soudée, très, très fun entre nous. Qui arrive. Bah moi je suis content parce que en fait le renouvellement il est sain, il y a vraiment beaucoup de gens qui viennent. En plus il y a un gros turnover, c'est-à-dire qu'on voit pas tout le temps les mêmes têtes. Et on a des mecs qui arrivent comme ça et qui sont pas mauvais dès le début, sans avoir fait de compète. Et qui donnent du fil à retordre aux habitués, et ça je trouve ça cool parce que ça fait monter le niveau. Ouais, la compète elle est là hein, quand même. Ouais. Une petite anecdote sur un joueur, une private joke. Oh, bah, il y a la fois où Aliandre il a rage quitté en finale. Il y a la fois où. Oh ok, j'arrivais à rien. C'était plus possible. C'était plus possible. Croustillant. Ouais, j'ai une petite anecdote, ouais. Ah, t'as une anecdote. Alors, sur quel joueur? Sur Toby. Sur Toby. Qu'est-ce qui s'est passé? Si, regarde ça, je s'en rappellera. Le soir où Toby avait coincé son adaptateur, enfin sa manette, dans l'adaptateur pseudo-chinois de TTJ. Oh là, tonton. C'était terrible. Oh, la manette qui ne se débranchait plus, l'adaptateur qui a volé contre le mur. Wesh. Est-ce que t'as une petite anecdote sur un joueur Pas tout. Wesh. Dis-moi. Allez, pars. Non, mais franchement, non. Vas-y, vas-y. On coupera si c'est trop... Franchement, pas tout. Non, je dis pas, je dis pas. Tu dis pas. Non, je dis pas, je dis pas. Non, je dis pas. T'es aussi un grand fan de Sidebet. Ouais. Alors, tu nous lâches deux Sidebet pour ce soir. Deux Sidebet pour ce soir. Il y a quoi comme match intéressant là? Je pense qu'en vrai, on va pouvoir dire Karma au moins top 4. Je pense. Donc toi, t'es Karma top 4, ok. Ouais. Karma est au moins top 4 ce soir. Et allez, un autre Sidebet. Toby va 0-2. Toby 0-2. Ouais. On lui dira. Je vais me prendre une vraie claque. Une petite anecdote sur un joueur pour finir. Ouais, j'ai une anecdote là. Alors, donc c'était une des premières sessions qu'on a fait cette année. C'était que quand je connaissais pas trop les gars, avec les newcomers, du coup, ceux qui sont arrivés vraiment cette année. Donc, il y avait Toby et Patou, je crois, à la part. Il devait y avoir Zark. Yes. Et bon, il était 2h du mat. Et Toby a time out pas tout en friendly hein. Voilà, on était là, hein. C'était Fox Warrior, la time out. Patou a quitté l'appart. Il est parti en fait se coucher. C'était cool. Truc de ouf quand même. Bah c'était marrant. Les potes. Ouais, j'en veux plus. Merci pour les infos inside et puis on se retrouve hein. Adieu. Sous Genjutsu. Merci les gars. Et surtout, ah. Fuck Jassim. Fuck Jassim. Nique sa mère. Fuck Jassim.